Pas de YouTube. Abonnez-vous, mettez-vous sur ma chaîne YouTube. Ah, elle a pris en photo. Regardez les pubs en boucle, ouais. Let's go. L'hôtel abandonné. Pas vraiment l'endroit dans lequel j'avais imaginé passer un dimanche après-midi. Et pourtant. Convoqué sur place tôt le matin, c'est entre deux averses qu'il va falloir tenter de s'imposer sur ce lieu perdu en plein milieu d'une forêt. Info ! Et dès le début de la journée, je sais que celle-ci va être longue. Contact en haut, j'ai un contact juste en face de moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Kevin m'accompagne aujourd'hui. Et comme ça, un mec sympa, il m'a offert ce sympathique Glock que je vais baptiser dans peu de temps. Tu viens me prendre cette ligne ? Tu viens me prendre la ligne que je prends ? Il était juste là. Première rencontre avec le terrain et ses habitants. Dans le coin, en face. Random ! Au fond là-bas, parfait ! Allez, il est mort ! Je la ramasse. Je rentre à gauche. Vas-y. Sorry poulet, la tête ça va ? Aïe. Tire à la tête. Pas vraiment le truc que j'aime le plus faire, mais je pouvais difficilement faire autrement. Clear, à part là-bas, je sais pas trop. Au fond. Là-bas, en bas, en bas, en bas. Y'a un free ? Non. Bouge pas, bouge. Ok, ok, il est sorti, il est out. C'est quoi ça ? Sympa le cadeau, merci Kevin. Grenade ! Ok, c'est maintenant officiel, je suis le pire lanceur de grenades de l'histoire de la grenade. Ok ! Mon dieu ! Out je pense poulet ! Ce Glock est une petite merveille, pas de fioritures, juste ce qu'il faut. On arrive ! Soigné au camp dans la forêt, je repars au charbon. Le but est simple, il faut clear le bâtiment principal, mais un nouvel objectif vient de m'être donné. Il faut récupérer les bidons comme preuve. J'en sais pas plus. Madame ! La progression est propre et méthodique. Derrière le bar, au fond à gauche, au fond à droite. S'il push, quelqu'un push avec lui, les gars. Oups. Au fond du bar. Je vois pas. Ah, c'est lui. Noir. Camo, poulet. Au fond à droite, tu peux y voir le bidon. L'étage est sécurisé jusqu'à l'escalier interne. On peut commencer la fouille. Clair. RAS. Pas de signe du bidon, mais il semble assez important pour que les renforts débarquent. Contact en face de toi. Viens vraiment, vraiment extérieur. Ah, t'es une heure à 6 mètres. On va le chercher. Il est out. Out, chargeur. Au fond, à côté du out. Je rentre. C'est bon, on peut continuer la fouille en s'assurant que personne n'est sneak à l'intérieur. Clear. Premier étage, deuxième étage pour les camos. On descend sur rez-de-chaussée, c'est terminé. Non, faut y aller. Faut y aller. Passe devant. Vous l'avez compris. Ronald ! Il faut clairement attendre de rester. Tu avec moi ? Je vais là. Tu vas là ? 3, 2, 1. Tu pousses à gauche. Go. Club clear pour les camos. Terminé.
excuse-moi, poulet. Qui passe ? Premier étage clear de camo. Rez-de-chaussée clear aussi. Terminé. On va avancer vers les toilettes, les amis. Allez. Ok. Deux qui sortent par les deux portes là pour aller taper les toilettes. C'est vrai qu'on n'a pas, pas cherché. À l'étage, t'as regardé s'il y avait un bidon ? Laissez-moi juste regarder encore si je devais passer devant comme un con. Souvenez-vous bien de cette phrase. À l'étage, il n'y a rien. Hey les gars. Mouais. Bingo. On récupère du premier étage du bâtiment un bidon qu'on ramène au spawn. Terminé. Let's go. Push. Assurez-vous que le premier étage soit pris. Si je te fais un contact radio, on revient. On est là dans une minute. C'est parti. Petite rando, on ramène la première preuve. Push. Viens, on retourne, hein. Kev, on retourne. On tape dans les chiottes. Ouais. Bon, le problème maintenant, c'est qu'on n'assure pas un périmètre autour et à l'intérieur de l'hôtel. Et ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'on peut y remonter par le sous-sol. On va sûrement devoir tout reclear. Chouette. Qu'est-ce que je disais ? Les mecs sont déjà présents sur les étages. Deuxième étage. Un, à la fenêtre. Juste au-dessus de vous quand vous êtes rentré. Négatif. Non. Ah, voilà à quoi ressemblent les souterrains. Putain, merde, désolé. Juste, contact à gauche devant toi. Contact à gauche. Je vais fouler. Peut-être contact à gauche en rentrant, tu peux y aller. Dico. Tous les gars avec moi sont incroyables. On découvre enfin la porte dérobée qui permet d'accéder à l'hôtel par-dessous. Je passe ma lumière blanche en rouge sur le casque pour éviter de nous éblouir et pouvoir bosser dans cet escalier. On qui passe. On les joue par en dessous là. On claire enfin tout l'hôtel pour pouvoir pousser sur les anciennes chambres qui sont disposées comme un vieux motel qu'on trouverait aux États-Unis. Contact à gauche, poulet. Go, ouvre, je te suis. Super. On sort le type qui s'y trouve, mais aucun signe du deuxième et troisième bidon. En retour à la case départ. On a sûrement raté quelque chose. Kevin est parti de son côté. Je décide de revenir seul dans l'hôtel. Il n'y avait que trois gardes dont je me défais plutôt facilement, et beaucoup plus facilement que je ne l'aurais pensé. Et je tente de trouver le Saint Graal. Bleu, rez-de-chaussée. Attention en face, je sais pas. Ouais, attention, la porte est ouverte en dessous de toi, poulet. Je passe. C'est clear. Out, je crois, ouais, out. Bien joué! Dis pas merci, tu donnes ta position, poulet. Vas-y, on lui bourse à l'hiver. On a des pattes qui arrivent. Hein. Ils arrivent tous. 1, 2, 3, on a tous les bleus. Vas-y, bah, on le clear vite fait, lui là-bas. Là. On joue sur la rapidité et on le défonce. Let's go! On lui défonce la gueule, lui! Let's go! Le truc, c'est que depuis une heure, un tireur embusqué sort mes teammates depuis les extérieurs. On se dit qu'il planque peut-être l'un des bidons. Il faut aller le déloger. Qui tire là?
Contact. C'est lui. Je suis devant toi. On est juste passé devant. Non, salope de chargeur, il est rouge. Il ira pas plus loin. Out. C'est bon. Neuf. Fais gaffe, l'autre il est là-bas. Dix minutes. Y'a rien, non ? Y'a R. Et on nous annonce qu'il nous reste que 10 minutes pour trouver les deux objectifs manquants. Je push. Celui qui s'en va, un qui s'en va, un out. Chargeur. Bleu poulet. Continue. Ça va vraiment être chaud. Mais avec les renforts que je viens de sortir, ça nous laisse quelques minutes de répit autour de l'hôtel pour tenter de trouver ce putain de bidon. Bleu, je suis là, poulet. Bleu. Vous ne l'entendez pas, mais on m'annonce à la radio qu'il ne nous reste que 3 minutes. Let's go. C'est forcément là. Il nous reste 3 minutes, les bleus. Ils sont dans leur spawn. Un qui vient avec moi, on va dans le bâtiment. Passe au rez-de-chaussée, passe en dessous, passe en sous-sol, passe en sous-sol. Les bleus. 3 minutes. Et là, croyez-le ou pas. Bingo. Je l'ai. Je l'ai! Besoin de backup! Un film, le truc. J'ai maintenant moins d'une minute pour faire mon jogging dominical. Un bidon en plus, un poumon en moins. Mission accomplie. Hey, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous faire des retours positifs sur les vidéos Airsoft, et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à continuer. Les monteurs et moi-même lisons chacun de vos commentaires et de vos avis, et c'est ça qui nous donne envie de persévérer. Six out.